Exactement, c'est Vincent, on se retrouve pour l'épisode 16 de la série The Aventure Legend. Donc aujourd'hui, je vais vous tourner un épisode de The Aventure, un épisode de Vincent l'Aventurier, un épisode de la série, de la troisième série, l'épisode 1 de Vincent l'Explorateur. Donc aujourd'hui, dans cet épisode de The Aventure, donc voilà, ouais, donc hier, je vous ai pas tourné de vidéo hier, à part la vidéo très courte, hein, la vidéo. Explication, voilà, je crois qu'elle s'appelait comme ça. Ce qui valait vraiment que je vous raconte un peu, hein, ce qui s'était passé. Donc voilà, donc on est reparti pour une nouvelle semaine encore plus folle, je l'espère. Les gens, bougez pas du règlement micro, voilà, c'est bon. Donc une semaine encore plus folle, j'espère vraiment qu'on va pouvoir. Que j'aurai pas de problème de montage, de vidéos, que j'aurai pas de problème de montage, oui, tout simplement, de vidéos, cette semaine, que j'aurai pas de problème. Normalement, cette semaine, je suis vraiment calé, c'est bon, c'est pas calé. Je veux dire que vraiment, cette semaine, j'ai rien qui pourrait m'empêcher de vous tourner les vidéos et de vous les poster au moment où elles doivent être postées, normalement. Donc, cette semaine, normalement, j'ai rien qui devrait m'empêcher de vous les poster. Donc, puis après, malheureusement. Je peux pas, mais si je peux, je peux. Je pense pouvoir, hein. Je pense même pas, c'est que je suis pratiquement sûr de pouvoir. Après, on ne sait jamais. Parfois, je dis ça et finalement, non. Donc aujourd'hui, on va récupérer les récoltes. Oui, de vous dire pourquoi pas. J'ai remis le son, bah oui, parce que dans l'épisode 14 et 15, dans le 15, je crois seulement, de The Aventure et de Vincent l'Aventurier, en fait je ne vous avais pas mis de son parce qu'on était le matin, il était 10h et mon père dormait encore, mais maintenant il dort plus, hein, parce qu'on est là, on est le soir là, ouais, on est le soir, on est mardi après-midi à peu près. Ça y est, un bébé, ils font des moutons vaches moutons, voilà. On va ramener les récoltes. Je pense qu'on va, on va ramener un coffre. En fait, on va mettre toutes les. Ouais, non, non, ça servira à rien. Parce que de toute manière, tous les jours, tous les temps d'épisode, on ira les vider. Ouh, j'ai cru voir un poulet. Moi, ça va pas. Hein. Ouf, je perds la tête, les gens. Donc aujourd'hui, on va reboucher des trous, pardon. C'est très passionnant. Et je vous l'avais dit dans l'épisode 15 qu'il y aura que 10 minutes d'épisode. Ou 15 d'aujourd'hui. Donc 15 minutes d'épisode. Enfin, 15. Minutes d'épisode ou plus ou 20, non, je pense qu'on va faire 20 minutes d'épisode pour allez, pour à peu près pour 10 minutes d'arène, voilà. Donc ça fera un épisode autour de 30 minutes, ce qui me semble à peu près, ouais, ça me semble bien, 30 minutes, comme ça vous aurez des vidéos, vous aurez de quoi faire, les gens. Voilà, donc la luminosité, comme d'hab, ça ne change pas. En tout cas, moi, je suis très content de vous retrouver. Enfin, enfin, devrais-je dire même. Enfin, de vous retrouver, parce que. Bah ouais, bah oui, bah oui, bah oui, parce que vraiment, ce week-end, je vous ai pas vraiment posté beaucoup de vidéos. Je vous ai même. Je crois, je dis ça, je ne dis rien. Pas poster de vidéos ce week-end, hein. Je ne sais plus, mais en tout cas, samedi peut-être quelques-unes samedi, mais le reste, franchement, je ne crois pas. Donc, bon, c'est un peu dommage, mais voilà, encore une fois, je me suis assez excusé. Je me suis assez excusé dernièrement. Les précédents épisodes, d'ailleurs, je ne vous ai pas posté l'épisode 9 de Vincent l'Aventurier, parce que comme j'ai dit dans la vidéo d'hier. Pour ceux qui ont tous suivi, les gens, et ben malheureusement, ben je l'ai posté. Et ça m'a fait la même chose que pour l'ancien épisode de The Aventure. Je crois que c'était un épisode de The Aventure. Là, la dernière fois que je n'avais pas réussi à vous poster. Ben là, c'est The Aventure. Ça tombe une série sur deux. Ça, je sais pas ce que ça fait, mais ça fait quelque chose. Et c'est un peu chiant, en fait. Mon iPad me fait un peu chier de temps en temps. Parce qu'en fait, oui, bon, chier, c'est un bien grand mot. Je m'excuse pour ma malpolitesse, hein. Je suis vraiment pas mal poli d'habitude, mais là, c'est vrai qu'il me fait un. Il m'embête. Voilà, on va dire poliment, il m'embête un peu mon iPad, parce que.
Simplement, bah oui, parce que faut me comprendre, les gens. Je voilà, je tourne les vidéos et quand je veux poster, bah, mon iPad elle ne veut pas. Donc, bon, bah, ça arrive à tout le monde, ça arrive. Les grands youtubeurs, je pense, ça doit arriver souvent. Après, j'en sais rien, je connais pas personnellement les grands youtubeurs, vous devez vous en douter, mais voilà. Hein. Ça doit arriver à tout le monde, je pense. De temps en temps de ne pas pouvoir poster une vidéo ou autre chose comme ça. Après, je dis ça, si ça se trouve, c'est complètement faux. Hein. Je peux tout à fait me tromper à ce sujet. Mais voilà, hein, franchement, j'en sais rien. Donc, bon. Donc après pourquoi pas faire quelques petites arènes. Je pense que l'arène selon la durée des parties, si je vois que bon ça va vite et qu'on perd pas trop de temps. Déjà, je vais prendre une arène avec pas beaucoup de monde, de joueurs, parce que si vraiment il y a beaucoup de joueurs, les parties vont être très longues. Et vu qu'on n'a pas non plus 100 ans devant nous pour faire les vidéos, on doit quand même peut-être. Se calmer, je pense, niveau vidéo, là, enfin, niveau vidéo, non, mais vous m'avez compris. Hop. Hop. Ah! Ouh! Aïe aïe aïe! Ouh là 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 là! Petit enfant de la palue, On dirait en fait que je suis en train de faire de l'architecture. Alors qu'en fait, oui, bah oui, je fais de l'architecture. Je m'appelle Vincent, je fais de l'architecture, j'ai 12 ans. Ah, ce serait pas mal comme son, ça. Non, je déconne, je déconne. Attention, beaucoup de construction, boum, 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 puis. Oh là là, qu'est-ce que c'est magnifique, les gens! Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu! Vincent, tu es un seigneur. Attention, on va tenter le saut. Boum. Je suis pratiquement mort. Et je viens de tout niquer. Super. Juste, je vais pas tricher les gens. Bon, je vais tricher. Juste parce que j'ai la. Pas la flemme, mais c'est que vraiment, ça me ferait perdre du temps pour remonter là-haut. Voilà, c'était juste pour casser ça. D'ailleurs, avant de continuer plus loin. Ouais. Je sais pas. Ouais. Je suis vraiment à qu'on fasse. Je sais pas, je voulais vraiment qu'on fasse une petite. Quelque chose en deuil. Qu'on fasse un monument en deuil. Par rapport à, en fait, à chaque victime des attentats en fait, qu'il y a eu hier. En Espagne. En Catalogne. Donc. Franchement, j'ai une grosse pensée, ça m'a vraiment touché, hein, aussi pour les familles des deux jeunes filles qui sont malheureusement, qui ont malheureusement été tuées par un fou. Voilà, il n'y a pas d'autre définition pour définir un homme comme ça. C'est vraiment un fou qui a fait ça. Dans cet épisode-là, je voulais vraiment faire quelque chose en fait d'assez spécial parce que ça m'a vraiment touché. Je voulais vraiment faire quelque chose envers les familles de victimes. Et j'avais envie en fait de faire une décoration en fait qui marquerait beaucoup 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 mon esprit. Alors attendez. Juste avant je vais mettre deux portes là-bas. En fait j'avais pas envie pas de faire une église ou quoi que ce soit parce que j'ai pas envie de parler de religion parce qu'en fait on est tous égaux pardon, au final. À la finale, donc j'ai pas envie de parler de.
De religion, ça m'intéresse pas, tout ce qui est religion, etc. Moi, à vrai dire, bon, je m'en fous de ma religion. Ça, voilà, on est tous pareils, donc ça m'a vraiment tenu à cœur et j'ai envie de, pour les familles des attentats de Los Angeles et de partout, en sachant aussi qu'il y a une amie à ma mère, son frère était à Los Angeles, était dans l'avion qui s'est crashé, qui a eu un moteur là. Et il était à la fusillade, mais alors heureusement pour lui, il s'en est bien sorti. D'ailleurs, grosse pensée à toi, mon ami. Je connais pas personnellement, mais une grosse pensée. Là, je me mets en créatif, mais c'est pour une bonne raison et pour une bonne pensée, les gens. Oh, du béton, non, je veux pas de béton, je veux pas de béton, je veux pas de béton. J'ai envie en fait de faire quelque chose qui me tenait à cœur. Je me suis dit, alors, par contre, je vais m'embêter à le faire. Par contre, je sais pas comment faire. Ouais. Peut-être, non, 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 là, là j'aurais pas de place, mais c'est pas, attendez. Je sais pas où le faire en fait. Je vais vous expliquer. En fait, j'avais envie de faire un cœur, mais je sais pas où le faire en fait. Et on va le faire le cœur, on va faire le cœur. Penser à toutes ces familles en fait, à toutes ces vies qui ont été détruites, pardon. C'est vrai, il faut y penser parce qu'on peut, on se dit, ouais, comme ça, on se dit, bon, c'est malheureux, mais ça, on espère que ça nous arrivera pas. Et d'un jour à l'autre, ça peut nous arriver, donc c'est vraiment triste, mais c'est la vie, hein, les gens. Sais pas, on peut le faire, ça. Parce que ça me tient vraiment au cœur. On va pas arrêter, on n'arrêtera pas l'épisode tant qu'on l'aura pas fait. Parce qu'il faut le faire en fait, les gens. C'est pas qu'il faut, mais c'est que j'ai vraiment envie de le faire pour rendre un hommage à toutes ces personnes, rendre un hommage en fait à ma façon. Et ouais, je sais pas où le mettre en fait. J'ai envie de le mettre là. On est, hop. Je vole, hein, je vole juste, c'est pour voler. Je vais le faire en créatif, sinon. Alors, attendez. Je vais le faire en survie. J'en fais deux. Deux. Un deux, on descend. On recule d'un. On descend. Ok. On descend de 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 4, 5. On arrive là. On fait ça, et ça. Ouais, bon, faudra prendre en compte que ça représente un cœur. Mais ouais, il faut. Bon, j'aurais quand même pu faire mieux comme cœur. Mais il faut que ça. Faut que vous vous mettiez dans la tête les gens que ça représente un cœur et que c'est vraiment. Voilà, je vais pas me donner les laines, je vais les laisser. Je vais me donner des laines noires. Pour remplir en fait l'intérieur. Parce qu'en fait finalement on est tous égaux donc n'importe quelle couleur j'ai envie de mettre du noir pour que ça ressorte bien et qu'on le voie bien. J'aurais pu faire tout en rouge mais ça aurait été moche tout en rouge. Ouais d'ici. Ah on n'est pas loin, on se rapproche du cœur. Bon, bref, faudra penser que c'est un cœur.
Ça ressemble pas du tout à un cœur. Mais bon, c'est pas grave. Parce que c'est l'intention qui compte, les gens. C'est l'intention qui compte. Pardon. J'en ai envie, en fait. Voilà. J'avais envie en fait aussi de faire rendre un hommage. Donc je pourrais pas faire autant de tombes que de victimes. Je voulais vraiment pas faire un cimetière ni quoi que ce soit, mais je voulais vraiment me rendre un hommage. Donc bon, le cœur il ressemble pas à grand chose, mon cœur, mais ce sera un cœur quand même. Et j'avais envie au moins de faire. De me passer à la place des familles et de faire en fait un hommage. Même si c'est malheureux, voilà. C'est la vie. Après, je pense qu'il faut tout ce qu'on avance, faut tout ce qu'on. C'est dur à accepter, c'est vrai, c'est dur. Personnellement, j'ai été très touché par rapport aux deux jeunes filles qui. Ouais, et l'assassin. En fait, je sais même pas. Je sais même pas en fait s'il est mort ou pas assassin, parce que s'il est mort, ben franchement, ça tombe, il peut toujours courir, il aura jamais. Mais s'il est pas mort, franchement, moi je pense qu'il faudrait vraiment. Faut. Moi je dis, les gens, je vais vous dire quelque chose. Les terroristes, faut pas les interroger. Il faut simplement les tuer. Moi, comme punition qu'on pourrait leur donner. Voyez, oh. Terroristes, c'est de les mettre face à la tour Eiffel. Ça va être un peu glauque ce que je vais dire, mais les faire manger par des porcs. Et c'est pas raciste, non, 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 c'est pas raciste. Je suis pas raciste envers les arabes, je m'en fous des religions. Je croyais en votre religion, c'est tout ce que j'ai à dire. Je m'en fous de la religion que vous avez, d'accord? Mais ces terroristes, n'importe quelle religion qu'ils soient, il faut les punir. Il faut les faire souffrir comme ils ont fait souffrir ceux qu'ils ont tués. Voilà. Je pense qu'à chaque épisode, on viendra ici. J'ai pas écrit le nom des victimes. Parce que je ne les connais pas. Je connais juste le nom des deux jeunes filles. Et en rapport avec la famille, je voudrais pas parler de nom de jeunes filles, le nom des deux jeunes filles. Vous devez certainement le connaître, hein, le nom, mais j'ai pas envie de mettre le nom. Parce que respect, vraiment respect à leur famille. Moi, franchement, je suis de tout soutien avec eux. Ma famille aussi, hein, mes parents aussi sont avec eux, de tout soutien. Malheureusement, on ne peut pas faire grand-chose. Mais voilà, donc là, c'est, on va dire que c'est les deux tombes des deux jeunes filles. Et là, c'est les deux tombes pour représenter Los Angeles et l'Espagne. Voilà, on va dire. Hein. On va dire ça. Et voilà, un petit cœur là-bas qui ressemble plutôt à un truc chelou qu'à un cœur. Mais vraiment, ça me tient à cœur, ça, les sortes de tombes, malheureusement, même si on aurait aimé que ça soit que dans Minecraft et pas dans la vraie vie, malheureusement. Mais voilà, je pense qu'il faudrait vraiment. Après, c'est vrai que bon, je vais pas parler, je vais pas continuer à parler plus. Après, c'est vrai que bon, moi, je vais vous dire la vérité, hein, c'est un peu aussi de la faute des policiers. Bon, après, vraiment, respect, gros respect aux policiers qui font vraiment un métier incroyable, parce qu'ils nous sauvent quand même la vie. Ils ont. D'ailleurs, éviter un attentat. Lui, je sais pas si vous avez entendu parler de l'attentat avec la bombe dans un immeuble dans le 18e. Donc, ça serait plus facilement nous toucher selon la violence de la bombe. Donc, ouais, ça aurait pu toucher mes parents. Dans le 17e, ils travaillent. Et là. Voilà quoi. On a évité un attentat grâce aux policiers. D'ailleurs, merci à eux parce que vraiment, les policiers font. Un métier incroyable. Mais voilà. Bon, on va passer à quelque chose d'un peu plus joyeux quand même. Parce que dans cet épisode-là, bon, j'aurais quand même un peu beaucoup parlé. On aura quand même fait une sorte de
Ça me tenait vraiment à cœur en fait de faire ça. D'avoir une pensée en fait aux familles. Et ça, je pense que dans la série, en fait, à chaque fois, malheureusement, qu'il y aura un attentat, on pensera aux victimes et je pense qu'il faudra vraiment faire ça à chaque fois. Malheureusement, si demain il venait à avoir un attentat, je pense que. Voilà, et je pense qu'on pourrait aussi rajouter une tombe. Malheureusement, celle-là, beaucoup de regrets, je la rajoute. Vous savez où, je sais pas si vous avez entendu en fait parler de la petite fille. Je sais plus comment elle s'appelle. Vraiment là, c'est pas. Là, j'aurais pu vous le dire son prénom, mais je m'en rappelle plus du tout. Vous savez, la petite fille de 6 ans, je sais plus quel âge qu'elle avait, qui a disparu. À cause d'un enfoiré qu'il a. Excusez-moi l'expression, mais. Vraiment à cause d'un enfoiré qu'il a pris lors d'un mariage, je crois que c'était ça l'histoire. Mais je pense qu'on peut rajouter encore ça malheureusement. Enfin, donc ça fait quand même beaucoup de tombes malheureusement. L'Espagne, Los Angeles, les deux jeunes filles, qui l'une avait à l'avoir 22 ans, 21 ans, pardon, et l'autre 20 ans. La petite fille qui a disparu. Bon, en tout cas, ça me tenait vraiment à cœur de faire ça dans cet épisode-là. On n'aura pas avancé autrement pour faire autre chose. On n'aura pas beaucoup avancé dans la construction et tout. Mais on va rajouter les deux sauts d'aujourd'hui. Le saut d'aujourd'hui, pardon. Et puis, on va aller dans l'arène, les gens. Parce que je pense qu'aujourd'hui, on n'aura pas fait grand-chose dans cet épisode-là. On fera plus dans Vincent l'Aventurier dans le prochain épisode. Bah, dans l'épisode 1. Ensuite de la nouvelle série Minecraft. Voilà, bougez pas. Ok, bon, en tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Même si le thème n'était pas très gai. Voilà, ça me tenait vraiment à cœur de faire un hommage à ces victimes en faisant une sorte de cœur, mais en faisant ces tombes. Voilà, ça me tenait vraiment à cœur de faire ça parce que je pense très fort à eux. Et je me mets aussi un peu à leur place. Hein, je reconnais que ça peut être très difficile. Mais bon, voilà. On va aller maintenant dans l'arène. Quitter ou sauvegarder. Voilà, on va faire tout en live, les gens, tout en direct. Mini-jeu. Arène, on va faire de compétitif puisque j'ai envie d'un peu de compétit. Ben, un peu de combat, voilà, en tous les cas, n'hésitez pas vraiment sur n'importe quel réseau social à aller partager ça. Waouh, on est grave beaucoup par contre, on est grave beaucoup. Bon, c'est pas grave, on va commencer tout de suite, c'est parfait. Voilà, on va passer maintenant à un thème un peu plus joyeux, un petit peu plus joyeux quand même. Il nous reste 8 minutes de vidéo, on est parti pour une petite arène les gens. Allez, vraiment en arène, je suis plutôt chaud moi. Ça dépend les jours, hier soir j'étais très chaud. Et puis là j'ai du bon stuff. Ok. Allez, on. Ah mince. Oh merde. Non, j'ai quitté la partie, vous savez pourquoi les gens? Parce que j'ai pas envie d'enlever le son. Et vu qu'il y avait un mec, en fait, on était bien parti pourtant, mais vu qu'il y avait un mec qui avait le son et un micro, je préfère pas en fait que cette personne rentre dans la vidéo. Tout simplement. Là, ça va, il y en a aucun qui a un micro. Est-ce qu'ils sont en train de se battre les deux? Bon, moi en arène, je suis plutôt moyen en arène. Hein. Ça dépend des jours en fait. Des jours par exemple comme hier soir. Ou comme hier tout simplement. Pardon. J'étais très très chaud. J'étais vraiment. Wow. Je faisais des combats et j'avais gagné hier. Je vous mens pas les gens. J'avais gagné 7 parties d'affilée avant de me faire malheureusement tuer dans les forces du ténèbres. Voilà, 7 parties d'affilée de gagner et bah, malheureusement la 8e était celle de trop. Je me suis fait tuer et puis ensuite bah, j'ai pas rage quit. J'ai quitté la partie, oui, donc j'ai un peu rage quit et puis j'ai pris une autre partie. Et puis le mec en fait, à chaque fois il se faisait jamais tuer. Je tuais tout le monde, il restait tout le temps la même personne et lui il campait en fait à l'arc. Il campait à l'arc et ça me faisait chier parce que je savais jamais où c'est qu'il était. Et puis, bon, c'est la vie, hein, les gens. J'ai trop hâte de commencer là. Non, elle a l'air bien cette partie, même si
Voilà, un peu calme, attention, il va y avoir du combat, je suis sur ton écran, mon ami, je ne te connais pas. Alors en fait, ils sont potes. Ils vont pas pouvoir se taper parce que. Ah si, ah si, ça se tape. Ça se tape malgré qu'ils soient potes. Oh oui, ça se tape même très bien. Oh. Oh, attention, ça se tape. Eh ben il a gagné, bravo à toi. C'est le même pseudo, mais ben, ils n'ont pas hésité à s'entretuer. On va perdre un peu de temps, je pense qu'on va faire 31 ou 32 minutes là le temps. Allez, on va faire qu'une partie de l'arène aujourd'hui, les gens. On va devoir attendre encore une minute. Ok, donc non mais je croyais que tu avais planté. Il y en a deux qui ont quitté la partie, je crois. Parce que bah. Ouais, on est plus que 4. Donc il y en a deux qui ont quitté la partie. Je crois qu'on m'a tapé. On m'a tapé, on m'a tapé, on m'a tapé, on m'a tapé. Ouais, je te tape! Et moi, tu me connais pas! Et moi, je suis un malade dans ma tête! Et moi, tu me connais pas, moi! Et moi, tu me connais pas, je te rappelle! Non, mais je rigole, je rigole, je rigole, je me casse, je me casse! Ah, bon. Dans l'arène, je pense que je devrais tous les tuer vu leur niveau. Je pense que je vais facilement arriver à tous les enterrer. Oh non. Je suis désolé, je suis obligé de couper le son, les gens. À mon regret, il y en a un qui a rejoint la partie avec un micro. Donc, ouais, je peux pas continuer avec le micro parce qu'il est en train de chanter en plus la chanson très connue de Niska Rezo. Donc, j'ai pas envie d'avoir de droit d'auteur. C'est un peu con. En fait, d'avoir des droits d'auteur, en fait. Oh punaise, qu'est-ce qu'on est bien. Alors, on se met bien là. Là, les gens, on se met bien, on se met bien, on se met bien. On se met encore mieux maintenant. Oh putain, oh putain, oh putain. Oh là là. Oh, qu'est-ce qu'on se met bien. Oh là là. Ouf. Tranchant 2, recul 1, tranchant 2. C'est parfait. Ok, là, on va y aller discrètement. On va faire qu'une partie aujourd'hui. Et lui, on va le tuer. C'est lui qui avait son micro? C'est lui qui a son micro, c'est lui qui a son micro, c'est lui qui a son micro, c'est lui qui a son micro. Oh, allez, les gens, on se donne un objectif. Il faut tuer l'homme au micro. Boum, 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 boum. On n'a pas le temps, pas le temps de niaiser. On n'a pas le temps de niaiser. Allez, casse-toi. La chance que nous avons, ça c'est ma mère qui appelle. Simplement pour dire la même chose à chaque fois. Ok. Ça c'est ma mère qui appelle, ça c'est sûr que c'est elle qui appelle. Ouais bah voilà. Si mon grand-père répond, c'est que oui. C'est elle qui a appelé. Il est où le mec? Ah, il est là. Oh putain, oh putain, oh putain, il va me faire mal. Ouais. Maman veut te parler, tu l'as appelé, puis. Allô? Oui? Oui? Ouais. Ah oui? Oui? Oui. Oui. Non. Non. Putain, ma mère fait chier encore en vidéo. Oh, c'est pas possible tous les jours. À chaque épisode. Bon. À chaque épisode, il faut que mon grand-père m'amène au téléphone ou qu'il y ait quelque chose qui nous perturbe la série, les gens. C'est ça qui fait que vous ne regardiez plus la série. Parce qu'à chaque épisode, il y a tout le monde, il y a toujours quelqu'un qui gâche l'épisode. Bon, une dernière partie, je vais raccrocher le fixe et puis ça sera tout. On s'arrêtera là. Est-ce qu'il est parti le mec au micro? Ouais, il est parti, on peut remettre le son. Allez, on est reparti avec du nouveau son.
Oh, on se met bien. Oh, qu'est-ce qu'on se met bien? Peau de soin, peau de résistance au feu, peau de bouffe. Voilà. Il en reste plus que deux. Il est là, il est là. Ouais, 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 ouais. Comment ça se fait qu'il a déjà... Et boum! Et oui! Et c'est qui le champion ici? C'est Vincent Savary! Incroyable! La partie de Vincent, pardon. Excusez-moi. Ouais, en tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. C'était Vincent. Peace and game. Attendez, bougez pas. Oui, peace and game. Allez, salut.